Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Call of Duty Black Ops 2, donc une vidéo défi comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un défi un petit peu particulier, donc qu'on s'était fixé avec Colin, mais que je vous invite aussi à réaliser. Donc DJ pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, commande dans les masques et commande, voilà. Donc il s'agit, déjà je vais présenter, je joue à la MSMC chargeur rapide et je sais plus, poignée avant. Donc le défi c'est de faire un 75-0, donc elle compte des bots en recrue certes, mais 75-0 contre 9 bots sur Nocturne. Donc là vous allez être en train de vous dire c'est facile et tout, mais c'est pas les seules conditions. Donc sans killstreak et sans grenade, la hache, Sentex et tout, et pas forcément qu'avec votre arme, vous pouvez vous la faire comme vous voulez, ramasser des armes et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le but c'est vraiment de faire un 75-0 sur Nocturne 2025, donc une map qui est très resserrée. C'est pour ça que c'est assez compliqué de le faire, étant donné qu'on peut vraiment se faire avoir de n'importe où. Et à la base, on s'était fixé avec Colin, c'était un petit peu un objectif qu'on s'était fixé contre les bots, qu'on pensait presque impossible, étant donné que 75 sur la durée, on peut vraiment vite se faire avoir et très facilement. Et là, je l'ai réussi, donc je me suis dit, je vais le poster. Mais je vous en avais parlé un petit peu dans les achats de gage. Si vous aussi, vous voulez participer et passer sur ma chaîne, hein, bien évidemment, je vous explique comment vous faites. Vous postez votre pseudo PSN dans la description, et vous, enfin, vous le postez dès que vous avez fait ce score-là. Vous postez évidemment la vidéo dans votre coffre en ligne de Black Ops 2, donc dans votre, enfin vous la sauvegardez dans votre coffre en ligne pour que je puisse y accéder. Et si vraiment les conditions sont respectées, donc sans killstreak, juste avec une arme principale ou même secondaire, hein, vous arrivez à faire ceci sur un Nocturne 25 contre 9 bots. Et si vous arrivez à faire mieux, même l'affaire au sniper et tout, ben là vous avez tout mon respect. Mais objectif 75-0 sur Nocturne 2025, sans killstreak, sans grenade, juste avec son arme. Si vraiment vous y arrivez, ben, je capturerai votre gameplay et vous passerez évidemment sur ma chaîne. Je le posterai, tout le monde peut y participer, même plusieurs fois, si vraiment il y a des grosses performances. Par exemple, performance, je sais pas, 75-0 au DSR, des trucs comme ça sur Nocturne 2025, vous imaginez, resserré, pardon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est chaud. Mais vous participez si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'avoir un boîtier d'acquisition, juste Black Ops 2, une PS3. Vous postez ça dans votre coffre en ligne, j'y vais, je le prends, je le capture, je le commande, je le poste le lendemain sur ma chaîne et vous passez, voilà. Après, niveau nouveau, c'est niveau temps et tout, bah, 110 minutes maximum, c'est 75-0 en 10 minutes maximum sur Map Nocturne 2025. Et peut-être que par la suite j'en proposerai d'autres, genre sniper et tout, quand j'y arriverai. Vous en doutez, c'est pas du direct, bien évidemment. Si je le fais en direct, il y aura des fails que je fais pratiquement jamais. Là, c'est vraiment que j'avais envie de vous la commenter, celle-là, parce qu'elle était plutôt pas mal, elle était plutôt réussie, j'en étais fier et tout. C'est la première fois que j'arrive à faire 75-0 de toute manière. Enfin, de maintenant, hein, je l'ai fait hier, ça. Mais voilà, je me suis dit ça pourrait être assez intéressant de faire participer les abonnés à ça, et voilà. À la base, comme je vous expliquais, c'était parti avec Joe, on s'est dit, tiens, on aime bien les bots tous les deux, qu'est-ce qu'on peut faire comme défi? Allez, bah, c'est le premier qui arrive à 75, enfin, arrive à 75 avec une arme principale, sans skillstreak et tout, donc 75 frags à faire, sans mourir. On s'est dit, tiens, on va tenter ça, et puis on l'a fait, moi j'ai réussi à le faire, donc, oui, enfin, j'ai réussi, oui, sinon vous n'aurez pas vu cette vidéo, mais si lui il réussit, de toute façon vous serez tenu informé, vous le verrez également sur la chaîne. Je sais pas s'il y arrivera ou si il fera dans peu de temps, enfin on verra bien. De toute façon je vous la posterai, je filmerai, je vous la posterai. Peut-être que je pourrais m'arranger avec lui, voir s'il veut commenter avec moi ou pas sur son gameplay, si jamais il le fait. Je pense qu'il fait parce qu'il fera parce que il aime bien, hein. Il s'est déjà essayé et tout, mais pour l'instant rien de bien concluant. Mais voilà quoi, c'était juste une petite vidéo comme ça. C'est juste en faire un petit peu plus de une vidéo de plus comme ça qui peut plaire à beaucoup de monde. Parce que franchement, c'est une vidéo de défi. Bon, certes, c'est des bots en recrue, mais quand même, c'est intéressant à voir. C'est pas histoire de montrer notre. Enfin, même si vous participez, c'est pas juste histoire de montrer si on est bon ou pas. C'est histoire juste de faire un petit défi comme ça qui peut être sympa. Peut-être que à un moment donné, je reprendrai des défis zombies aussi ou des défis survie sur MW3, enfin des choses comme ça. Ça serait sympa ça aussi, mais je trouve pas le temps ni forcément l'envie de le faire parce que c'est. Quand on part sur un zombie, on part bien sur une heure minimum. Hein. Enfin, pour mon cas, hein. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin voilà. Ça pourrait être intéressant à reprendre, mais bon, pour l'instant, c'est pas. Je préfère vous proposer les vidéos que je veux vous proposer plutôt que d'essayer de faire des trucs en forçant un petit peu. J'aimerais bien faire des lives. Ça, c'est encore un truc, ça.
Ça part dans les oublis. Enfin, dans l'oubliette. Enfin, on s'en fout. Bon, le gameplay est assez rapide, comme vous voyez. Ça dure 5 minutes 37 à peu près. Là, le petit collab pour faire le 71. 72, on s'approche de la fin tranquillement. Donc, je vais arrêter mon commentaire là. Donc, j'espère que cette petite vidéo de filles vous a plu. Si vous avez plus, n'hésitez pas à venir en commentaire. Moi, je vous dis bye et à la prochaine.